reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour reborn. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. En début de semaine, je vous ai parlé de ce que j'ai vu par rapport à une sirène. En fait, une fille qui m'a étonné. J'ai jamais vu une fille aussi belle de ma vie. Avec un parfum très fort. Pour moi, elle n'était pas humaine. Et je vous ai dit que c'est sans doute une sirène. Parce que vu les témoignages des gens, je pense que celle-là, c'est possible que ce soit une sirène. Un esprit qui vit dans l'or. Maintenant ici, je vais vous montrer un jeune homme qui dit avoir rencontré une sirène face à face. Il a causé elle. Elle lui a dit des choses. Vous serez surpris par ce qu'il va vous dire ici. C'est étonnant. Et il va nous dire comment elle chantait. Il va même la dessiner. Il va dessiner comment elle était. Et lui, sa sirène, elle avait juste 15 ans. Donc, il a vu une petite sirène, une petite sirène, sérieux. Et il a vu, alors que lui, il allait juste puiser de l'eau. Oh, c'est là-bas, il a vu, sérieux. Eh bien, oui, c'est ce qu'il va nous raconter ici. Et les gens vont nous dire que c'est vrai. Et des journalistes vont essayer d'aller à la recherche de la petite sirène, mais on fait. Venez. Venez ici. Tout ce qui va se passer, c'est vous déjà raconté. Hein? Donc, soyez prêts maintenant. Les reborn. Ça, c'est votre nouveau nom. Maintenant, regardez ça. Woo! Vous voyez ça? Ce visage a le seul dit tout sur ce qui va se passer ici. Cette image en dit long sur le sujet. Une affaire de sirène, mythe ou réalité. Voici à quoi ressemblent les sirènes qu'on dessine souvent à l'école. Mais le petit, il semble être sûr de ce qu'il a vu. Vous nous le croyez? En tout cas, certaines personnes y ont cru. Au point où elles sont allées à la recherche de la petite sirène. Regardez, ces gens ont une torche à la main. Et ils espèrent retrouver la sirène là, dans la brousse, dans le noir, sur l'eau. Alors que le petit, il était juste allé puiser de l'eau comme il était de nous montrer ici. Lorsque son récipient se remplissait tout seul. Au moment où il va s'en rendre compte, il lève la tête et il voit qu'il y a une sirène devant lui. Et c'est cette sirène qui essaie de remplir son récipient. Aïe, 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 elle remplissait son seau d'eau. Les gars, ils disent ça. Et il dit, c'est exactement ce qu'il faisait lorsqu'il l'a rencontré. C'est ce qu'il faisait quand il l'a rencontré. Est-ce que vous en rendez compte? Sérieux? Et ce gars-là semble être vraiment très chaud. Hein? Il veut à tout prix retrouver la sirène. Mais où est-elle passée? Ces gens-là pensent que c'est comme ça. Ces gens pensent pouvoir retrouver le diable aussi facilement. Vous vous trompez. Vous pensez que vous êtes fort, mais vous n'êtes pas fort. Regardez ça. Il recherche la sirène ici. Et le petit a décidé de nous dessiner à quoi ressemble cette sirène. En fait, sa petite sirène, elle ressemble à ce que vous voyez là. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est encore une chose avec la queue de poisson. C'est réel, on dirait. Hein? On le dit ici. Face à ce garçon, je ne pense pas parler à un fou, ni
à un charlatan, ni à un acteur en herbe. Ça, c'est la description que nous fait ce journaliste. Il pense que le petit est cinglé ou quoi? Bon, il pensait que le petit était peut-être cinglé, mais il ne savait pas de quoi il s'agit. Ou bien il était de raconter des choses qui n'existent pas, quoi. Mais quand il regarde le petit, il voit que le petit est serein, il sait de quoi il s'agit et tout ça, il se dit, mais what? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Et regardez. Ni un acteur en potencia. Su serenidad. Il dit, car sa sérénité est surprenante. Es inquietante. ¿Qué cosa me ha dibujado? Et le petit s'en fout, il continue à dessiner la sirène. Regardez, il dit voici comment elle est. Il dessine sa sirène, elle sourit, elle est comme ça, exactement comme ce qu'on a l'habitude de nous montrer à la télévision. Et des dessins animés. Et il insiste, il nous montre en détail, avec plus de précision, cette affaire. Et regardez, c'est pas de la plaque, on dirait. Hein? Waouh! Apparemment, elle est d'une beauté extrême. Elle est d'une beauté extraordinaire! Waouh! Et il dit que sa sirène s'appelle Aline, comme vous le voyez. Aline. Elle a même un nom, est-ce que vous vous rendez compte? Ici, vous allez voir que le petit va nous montrer comment elle chante, parce qu'il avait remarqué que elle chantait beaucoup. Elle chantait beaucoup. Soyez prêts à entendre ça. Je vais augmenter le volume. Hein. Attendez, on va augmenter le volume des sons. Augmentez le volume, s'il vous plaît. Volume, volume. Ok, là le volume est au top. Et puis, écoutons le son. Il dit c'est comme ça la sirène a chanté. Est-ce que c'est de la blague? Et puis elle regarde les gens comme ça. Hein? Et quand elle chante, elle regarde les gens comme ça dans les yeux. Ça commence à faire peur. Hein? Mais venez en arrière. Écoutez ça encore. Ça commence à me faire flipper. Hein. Donc, je bien regarde les gens comme ça. Quel chien! Matin, bonheur, là, tu veux nous effrayer. L'un va puiser l'autre tranquillement. Et puis, toi, tu vas apparaître devant nous ici, comme ça, pour qu'on puisse nous sauver. T'as dit qu'on a besoin d'aide? Quel chien! Waouh! C'est étrange, non, cette histoire? C'est étrange. Est-ce que vous y croyez? Si vous ne croyez pas à ce genre de choses, bon, de toute façon, c'est pas ce qui va remplir votre compte en banque. Que vous remplissez ça, que vous croyez en ça ou pas, ça va pas remplir votre compte en banque. Donc, ça ne fait rien. Mais, si vous faites les rêves, d'aller devant l'eau, n'importe quelle eau, une étendue d'eau seulement, et que vous allez parler sur là-bas, hein, ne soyez pas surpris de la voir parce qu'elle existe. Elle existe à l'aller-retour. Moi-même, je vous parle. J'ai vu ça. Vous pensez que vous allez voir ça, genre, vis-à-vis comme ça, genre, comme vous dites, « Je connais ce bon, il a ses yeux, ses gros yeux, son gros nez. » Non, hein? Vous n'allez pas voir ça de la sorte. Hein. Si elle veut que vous se la voyez là, elle va apparaître à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez là, sur la plage, et puis il y a 20 personnes ce jour-là,
quand elle va sortir de l'eau, si c'est vous qu'elle veut que vous la voyez là, vous serez la seule personne parmi les 20 personnes sur la plage à la voir. C'est vous seul qui allez la voir dans l'eau. Vous risquez même de toucher les gens pour dire hé, hey, toi là, salaud là. Tu vois la go qui est là-bas, tu vois la go qui est dans l'eau, je dis, essaie de la voir. Et on lui dit, mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de go ici, il n'y a personne. Vous risquez maintenant d'être attiré par elle dans l'eau. Parce que ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est de séduire les gens, attirer les gens. Vous voyez, non? Et elle va vous attirer dans l'eau. Mais si elle vous prend pour partir, ne dites pas que je vous envoie. Moi, je vous ai dit de ne pas être là-bas. Je vous ai dit de ne pas être là-bas. Hein? Mais c'est réel à 100%. À 100%, c'est réel. Ce n'est pas de la blague. Et oui. C'est réel à 100%. C'est réel à 100%. Les sirènes, là, elles existent. Et elles sont très belles. Souvent, les femmes d'ici vont chercher des colliers dans leur monde. Comment elles font? Elles rentrent en contact avec des mystiques. Les mystiques, là, leur vendent ces colliers-là. Elles attachent. Quand elles attachent ça sur leur cou, elles reçoivent la gloire de la sirène, la beauté de ces sirènes-là, parce qu'elles sont vraiment très belles. Quand vous voyez ces femmes, c'est comme si vous voyez les sirènes en même temps. C'est pourquoi moi, j'ai été surpris parce que j'ai vu en début de semaine. En début de semaine, j'ai vu une beauté vraiment qui m'a étonné. En plus de ça, cette beauté ne voulait pas me laisser partir. Parce que le parfum que ça accompagnait, c'était un parfum très fort, très doux, très doux. J'ai dit, mais what? Ça, c'est un combat sérieux dans lequel je suis. Hein? Jusqu'à ce que je prenne des femmes jolies comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu est fort. Si vous aussi, vous priez pour moi, ce serait chic. Mais faites attention à ne pas rentrer en contact avec ces démons-là. Parce que ce sont des démons. Quand vous les voyez d'apparence, ces démons sont jolis. Vraiment jolis. Hein. Je ne vois pas une femme sur la terre qui est plus belle que les sirènes. Hein. Au nom de Dieu. Souvent là, elles n'ont même pas d'ossement dans elles. Elles n'ont pas d'os. Il n'y a pas os dans elles. C'est la chair. Quand tu la touches comme ça, là, c'est comme si tu touches la chair. Il n'y a pas d'os. Elle est belle. Effectivement, il y a une cité. Quand vous regardez l'eau comme ça, quand vous allez sur la plage, vous voyez l'eau. Vous dites quoi? Ah, ça c'est la mer, ça c'est l'océan. Mais en bas, là, ceux qui rentrent là-bas avec les yeux spirituels, ce qu'ils voient, c'est Dieu, ce qu'ils connaissent. C'est un autre monde, même plus grand que ce monde où nous sommes. Et c'est dans ce genre de monde-là, là-bas, là, où il y a des choses, il y a des technologies très avancées. Vous voyez souvent quand on nous montre les films de Hollywood là, on voit qu'eux sont dans le futur, hein? Eux sont dans le futur. On voit les films, on voit comment les bateaux ultra sophistiqués, on voit des voitures qui s'envolent. Eux là-bas dans leur monde là, eux ont déjà ça. Hein? Ils ont déjà cette technologie. Alors, qu'est-ce que les gens de ce monde là font? Les gens de ce monde qui sont dans c'est-à-dire les scientifiques de ce monde qui sont dans les choses mystiques. Ces gens-là vont jusqu'à dans le monde des ténèbres pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et c'est ce qu'ils voient là-bas. C'est ce qu'ils viennent refaire ici. Maintenant, nous aussi, quand on voit ça, on dit hi! Regardez cette technologie! Cette technologie est extraordinaire! Comment ils ont fait pour faire ça? Aïe, 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 aïe! Elles sont prêtes à prendre 1 million, 2 millions, 3 millions pour acheter cette technologie pour être à la mode. Alors que ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde du diable là-bas depuis très longtemps. Eux ont déjà ça. Qu'ils souvent, mais nous, ils se moquent de nous. Ils en rigolent. Je dis, voici des gens, ils pensent qu'ils sont intelligents. Alors que nous sommes ici, dans un monde très avancé. Très avancé. Hein? Ils ont déjà voyagé avec des gens. Depuis longtemps. Les sirènes sont réelles. Oui, je ne vais pas mentir, je ne veux pas vous dire non, parce que je les ai vues. Je les ai vues en songe, je les ai déjà vues. Elles sont réelles. Elles sont comme les poissons. Comme vous les voyez, elles sont comme les poissons.
Mais ça là, c'est une... vous les voyez uniquement comme des poissons que lorsque elles sont en train de nager. Sinon, quand elles descendent dans leur monde là, elles ont les jambes. Je dis les jambes, comme les femmes d'ici là. Elles ont des jambes. Et il y a des humains ici qui ont eu accès à ces connaissances, qui sont allés jusqu'à invoquer de telles sirènes. Et elles sont sorties. Certains les ont mariées pour avoir de l'argent et pour toujours briller. Et pour toujours briller dans tout ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire que les gens, toi, tu es un musicien, tu veux vraiment briller, tu veux vraiment toujours être au top. Tu vas la voir, elle te rend riche. Mais avant ça, elle va te laver, elle va cracher sur toi. Pouf! Pouf, pouf! Elle va prendre ce crachat pour te laver. Tu as devenu propre! Si tu es vilain, tu as devenu joli tout à coup. Et on dit, mais what? Celui-là, il sort d'où? C'est là les garçons qui commencent à se tchatcher au pays. Tchatcholi là. Il y a un qui se dépigmente là. Pour devenir clair. Les gars sont noirs comme eux. Ils veulent devenir clair. Ils veulent blanc. Plus blanc que blanc. C'est tchatcho. La tchatcholi. Ça vient de là-bas. Ça vient du monde de la femme là. Là, c'est les sirènes. Les maquillages. Regardez les femmes. Tout ce qu'elles mettent sur leur visage pour se maquiller. Vous voyez pas que quand elles se maquillent, elles deviennent tellement belles que vous-même vous dites, mais aïe. Tu sais que c'est toi. Que chat. Pourquoi as-tu choisi? Tout ça, ce sont les choses qui viennent de leur monde. Mais quand vous dites ça souvent aux femmes ici, elles disent, oh, vous mentez, c'est faux. D'accord? D'accord? Si tu veux, tu penses, si tu veux, pas prendre. Les parfums. Les gens se parfument. C'est un parfum même. Les gens font exprès. Ils mettent le nom de la sirène là-dessus pour nous montrer que c'est tel qu'il les a donné la connaissance sur la fabrication du parfum. Ça veut dire quoi? Il y a des parfums que vous voyez, même sur le marché. Certaines ont dit Aousarabia. Quand vous tapez sur Google Aousarabia, vous voyez le parfum. Ça ressemble à rien. Mais c'est un parfum utilisé lors des rituels. Et les sirènes en général, elles aiment des parfums. Elles aiment l'odeur des parfums. Elles aiment les parfums vraiment très, 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 très fort. Très, très fort. Ce sont des gens de parfum. Quand quelqu'un met ce parfum sur lui, hein. Même si tu as 2 mètres, tu vas sentir l'odeur. Ce genre de parfum, vraiment, il faut quand même les éviter. Hein. Le parfum, vous mettez sur vous, puis ça sent tellement fort. On ne dit pas que parfum a senti fort, mais ça, c'est exagéré. C'est exagéré. Quelqu'un qui va prendre 50 000, 100 000, 100 000 euros. Mettre un parfum qui coûte, un parfum qui est petit comme ça, il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Vous pensez que c'est un parfum qu'il a acheté? Il a acheté la sirène, il a acheté le diable. Parfois ça peut vous paraître étrange, mais ce sont les choses qui arrivent. Les gens se plaignent souvent, ils savent même pas de quête derrière. C'est pas un parfum simple. Il y a des choses qui se passent ici, pas, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le pouvoir sur ces sirènes. Vous avez la force, vous avez le pouvoir. Le Seigneur Christ auprès de vous. Ça fait tout. Dieu est fort. Ouais, Dieu est fort. Merci les rebonds d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, écrivez un commentaire. Je nous t'avons suivi jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà, si vous avez eu une expérience vraie sur une rencontre avec les sirènes, écrivez en commentaire ce que vous avez vu. Mais ne mentez pas, hein. Parce qu'il y a les menteurs aujourd'hui dans notre pays, là. Waouh, merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir Union Scrubbond, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve notre information bancaire. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Scrubbond 3.
avec Sciences Po Bonn. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Sciences Po Bonn. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.